Bonjour mes petites et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Vous allez voir, je suis habillée et coiffée de la même façon que la Webox. C'est normal, je les tourne en même temps. Je les mettrai pas en même temps, mais ce n'est pas grave. Du coup, je voulais vous montrer. J'avais fait un petit colis. Enfin, voilà. De plusieurs livres. Voilà. Parce qu'en fait, c'était l'anniversaire de ma sœur au mois d'avril et j'ai voulu lui faire un cadeau. Et j'avais commandé ses livres à elle, mais le problème c'est que ces livres sont toujours pas arrivés. Mais comme je voulais faire un gros colis pour faire qu'une fois qu'une demande, mais en fait je les ai en plusieurs colis, ça m'énerve comme chaque fois. Et du coup ben, je vais vous présenter les quelques livres que j'ai ici. Du coup, je vais vous montrer par celui que je suis occupée à lire. Si vous me suivez sur le Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est Secret Défense d'Aimé, le top 1 chez Hugo Poche de Alexandra Leclerc. Et ça parle d'une petite, enfin une jeune militaire mutée. Et elle va dans un service de bureau, je sais pas comment dire ce machin là, mais pour le moment je sais pas si vous allez voir, je suis presque à la fin. Hop là, voilà, je suis à 376 pages. Je suis contente pour le moment. J'espère que ça ira continuer comme ça. Voilà, ça c'est le 1. Du coup, je me suis pris le 2 en même temps. Secret Défense d'Aimé numéro 2. De chez Hugo Le Poche, Alexandra Leclerc. Voilà, de Nous Romans. C'est la suite de celui-là. Et alors le mois de mai, je verrai bien si je sais ou pas. Il y a le troisième tome que je me prendrai aussi certainement. Après, ouais, je vais pas lire le truc parce que c'est la suite de celui-là. Voilà. Après celui-là, je suis pas sûre que je vous les ai déjà montrés. Celui-là, je suis pas sûre. Mais enfin, soit. Je l'ai pas pris. Je l'ai pris avant d'être confinée. Le miroir de Hachette Hero de Disney. De méchant, la série. Je la continue toujours. Comme ça, quand ils seront tous sortis, je crois que je me ferai une séance lecture Disney. Voilà. Et ça parle de la méchante reine. Et c'est les histoires un peu... c'est les méchants qui gagnent dans ces livres-ci. Du coup, on verra bien la suite. Après, je me suis pris Au pays des alliés. La couverture est magnifique. Voilà, je l'ai vu parce qu'il était que 5-6 euros. Je me dis pourquoi pas. Et je l'avais vu sur mon groupe de lecture. Voilà, et n'hésitez pas à rejoindre, il est dans la barre d'infos, le groupe de lecture sur Facebook. On adore de parler de nos livres. Après, on parle de tout et de rien, du bon temps, de la pluie, mais on parle beaucoup de nos livres, de ce qu'on lit. Il y a un groupe Facebook aussi, c'est les amis. Oh, j'ai mon téléphone là. Hop. J'ai bête, par là. Non, c'est l'amour des livres. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, hop, hop. Venez nous rejoindre. Ouais, j'ai un message en plus. Voilà, venez nous rejoindre. Après, je me suis pris Parfum d'amour. Celui-là aussi, je trouve que la pochette est trop belle. On pensait à ça sur celui-là. Je connais pas le... J'ai pas lu le quatrième de couverture, ni celui-ci, ni les deux. En fait, c'est sur mon groupe, il me tentait bien, les filles on en parlait, et ça me tente bien, en fait. Voilà, du coup, je les ai pris. Après ça, j'ai regardé Nina Queen. Et Nina Queen, ça fait quelques temps qu'elle n'arrête pas d'en parler, et elle m'a donné envie, du coup, je l'ai pris en même temps. 1000 baisers pour un garçon. Au livre de poche, Till Clos, le nom de... Voilà. Et à part ce qu'elle a dit, c'est un bon roman. Un roman d'amour. Maintenant, j'en sais pas plus à part ce qu'elle raconte. Mais il me tombe bien, je crois que c'est celui que je me ferai après les trois secrets.
franchement, ils me tombent vraiment bien. Voilà. En fait, tout ce que j'ai pris, en fait, c'est ceux de mon groupe de lecture ou que j'ai entendu parler par des autres youtubeurs. Après, celui-là, il me tentait, mais il tendait fort. Et au début, je le voulais le prendre en poche, parce qu'il était moins cher en poche, bien sûr. Mais en poche, la couverture, elle est moche, mais moche. Et moi, je voulais cette couverture-là. Et du coup, je me suis pris celui-ci. Voilà. Des débutantes de New Roman. Rugo Roman, je sais plus parler. Au New Mio. Voilà. Elle se démarque au bout des yeux. Les yeux fermés. Aura-t-elle apprendre à faire la révélation? Voilà. Je ne connais pas plus non plus. Juste que voilà. Il me tombe vraiment bien. Enfin, tous ceux que j'ai pris me tentent vraiment bien. J'ai envie de les lire là maintenant, mais voilà, c'est compliqué. Et alors, le dernier, mais c'est pas le dernier parce que dans le colis qui devrait arriver, je l'ai commandé le 2 avril, hein, je vous le dis. Voilà tout ce que j'ai eu avant le colis. Et celui-là, il est arrivé de la semaine passée. Je l'ai même montré sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et celui-là, il me tentait depuis très 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 longtemps. Il était à 18, c'est 18 ou 20 euros quand il est sorti. Et je me dis, oh non, je vais attendre. Et puis je me dis, je vais attendre. Je vais écouter les critiques sur ce livre pour voir si c'est bon, je le prends ou pas. Et ici, il était à 12,50. Du coup, là, j'ai pas hésité. À 18, il était à 18 et là, il est à 12,50. Je n'ai pas hésité. C'est Monsieur de L. John. Voilà, c'est l'auteur de des romans. Oh, comment c'est encore? Il est écrit là, hein. Je suis biaise. L'after, en fait. Je me suis pris et il y a des bons et des mauvais avis dessus. Mais il y a beaucoup plus de bons avis. Et puis il y a ma soeur qui le voulait aussi. Du coup, je me suis dit, je vais me le prendre. Je vais le bouquiner. Et après, si elle le veut apprêter, ben, on se le prêtera. Voilà. Mais il me tente. Je me le ferai bien là tout de suite, celui-là. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui me. Voilà. Et en plus, la couverture est si douce. Voilà. Et puis, l'écriture est quand même. Petite. Ouais. Voilà. Je ne sais pas. Petite, grand. Et celui-là, je le voulais aussi en poche au début. Mais là, il est à 12 euros en grand. Pourquoi pas? Voilà. Voilà. Si je vous voulez, je vous mettrai les liens d'un. Enfin. Ouais, je regarderai si je trouve les liens. Parce que celui-là, il est plus. Il a disparu. Je l'ai pris et après, il n'y avait plus. Du coup, voilà. Et voilà. Et le seul truc qui me tentait à me prendre aussi, c'était une liseuse. Du coup, j'étais en train de me poser les questions si je m'en prends une ou pas. J'avais posé les questions à mon groupe de lecture. J'avais été sur d'autres groupes de lecture. Et maintenant, s'il y en a qui connaissent une liseuse bien, vous pouvez la mettre en barre d'infos. Je pourrais voir. On m'a conseillé la combo. Voilà. Et moi, j'hésitais parce que. Est-ce que ça prend beaucoup de place? C'est ça mon truc. Est-ce qu'il faut prendre une avec carte mémoire ou pas? Et ce qui me tentait bien, moi, prendre une avec carte mémoire, mais le problème, c'est 200 balles quoi avec la carte mémoire. Et celle qu'on m'a conseillée, elle est à 119 euros, un truc comme ça. Du coup, j'hésite quoi. Voilà, dites-moi en commentaire. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous mets mes réseaux sociaux, le groupe Facebook, le groupe Lecture, c'est Messenger. Vous pouvez nous rejoindre avec plaisir, ce sera chouette. Il y en a qui est sur ce. Qui vont me regarder, qui est déjà dans le groupe. Et c'est très chouette, on parle de tout et de rien. Pour le moment, c'est vrai que moi je ne suis pas beaucoup dessus, mais grâce à Mariette et je ne sais plus qui son nom, elles mettent tous les jours des photos, des jeux. Le lundi, elles mettent un petit jeu, c'est super, ils sont actifs souvent et je les remercie d'être là. Et voilà, bon, allez, moi je vous dis que je vous laisse. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire et de partager cette vidéo avec vos amis, famille, tout ce que vous voulez, quoi. Allez, moi je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye bye tout le monde.